Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous faisons mémoire ce matin de Saint-Denis, premier évêque de Paris, et de ses compagnons martyrs, au milieu du IIIe siècle. Son corps fut inhumé au nord de la cité. Vers 495, Sainte-Geneviève fit construire une basilique sur son tombeau. La passion de Saint-Denis lui attribue deux compagnons, Éleuthère et Rustique. Nous prions particulièrement ce matin pour le diocèse de Paris. Nous chantons les psaumes en confiant l'Église au Seigneur.
s'arrêter ni le jour ni la nuit. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé l'évêque Saint-Denis et ses compagnons annoncer aux païens ton évangile et qui les a gardés inébranlables dans leur martyre, nous t'en prions. Accorde-nous la grâce de les imiter en sachant mépriser la faveur du monde, sans jamais craindre ses attaques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc, ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham.
D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi, et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu. Car comme dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra, et la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis, parole du Seigneur. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui-même est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges.
En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7, ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons reconnaître que de prime abord, nous avons peut-être de la difficulté à entrer dans la signification du débat qui oppose Jésus à ceux qui l'accusent de chasser le mal par le chef des démons. Alors, essayons de mieux comprendre. La question finalement qui est posée, la première question, c'est la puissance de Jésus, lui vient-elle du mal ou vient-elle de Dieu ? Finalement, ce que Jésus fait, le fait-il pour le bien ? Le fait-il à l'avantage de l'homme ? Le fait-il dans le sens de Dieu ? Et Jésus montre l'incohérence de dire que c'est par le chef des démons qu'il libère, puisqu'en fait, ce serait le démon opposé à lui-même, le mal opposé à lui-même. Alors que c'est bien à travers lui le bien qui lutte contre le mal. Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Oui, la puissance de Jésus est une puissance qui veut libérer l'homme de tout ce qui l'aliène, de tout ce qui l'empêche d'être lui-même comme Dieu aime, d'être ce que Dieu veut qu'il soit, un être destiné à la communion avec lui, à la communion avec ses frères et sœurs. Oui, Jésus vient libérer l'homme, sa puissance est celle de la vie, de l'amour et de la paix. Sa puissance vient bien du Père. Et puis, la deuxième question qui se révèle à travers ces textes, et accueillons-nous pour nous-mêmes cette puissance de Jésus, cette puissance de vie. Autrement dit, à travers l'histoire de l'homme fort et à travers l'histoire de l'esprit qui, une fois qu'il trouve la maison balayée, revient, nous pose la question, qui est maître chez nous ? Qui est maître dans notre cœur ? Qui est maître dans nos vies ? Allons-nous laisser Jésus et à travers lui le Père être maître de nos cœurs, être maître de nos pensées, de nos désirs, de nos actions, pour que nous accueillions véritablement cette libération que Jésus est venu nous apporter.
Évidemment, nous sommes sûrs que Jésus a vaincu le mal. N'ayez pas peur, dit Jésus, j'ai vaincu le monde, c'est-à-dire que j'ai vaincu le monde du péché, j'ai vaincu ce qui s'oppose à Dieu. Mais nous, accueillons-nous cette victoire dans nos vies. Laissons-nous Jésus agir en nous pour nous libérer de ce qui nous enchaîne encore. Et ce peut-être à quoi nous tenons, peut-être tenons-nous encore à ces chaînes, là parce que nous ne savons pas comment vivre sans. Oui, demandons à Jésus que notre maison intérieure soit nickel pour lui, que ce soit lui qui l'en nettoie de tout ce qui l'empêcherait d'être lumineuse, et que chaque jour, nous puissions continuer ce combat de la lumière. Demandons cette grâce pour nous, mais pour le monde, car nous sommes appelés à devenir des fils de lumière, des fils du jour, comme dirait saint Paul. Amen. Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort. Sauve-nous par ton amour. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est trahi. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'amour du royaume a perdu, prends pitié de ceux que l'on met en prison. Sauve-nous par ton amour. Jésus, qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux qui sont affligés. Sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui souffrent pour la justice. Sauve-nous par ton amour. Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie de la fête des pauvres. Sauve-nous par ton amour. Seigneur, Père très saint, tu as voulu que ton propre Fils soit la rançon de notre salut. Accorde-nous de vivre avec lui, si bien que notre communion à ses souffrances nous fasse ressentir les effets de sa résurrection, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit-il,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, l'offrande que ton peuple te présente pour célébrer tes martyrs Saint-Denis et ses compagnons. Qu'elle nous obtienne d'être fermes dans l'adversité, comme elle les a rendus courageux dans la persécution. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Saint-Denis et de ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps ou au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de Fabien, de Virginie, de Marc, de Violette et d'Odile qui sont confiés à notre prière. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement ce matin de Marie-Claude Mestre, de M. Xavier Le Turc et de Venance Kouamé. Souviens-toi de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, dit Jésus, c'est alors que le règne de Dieu est venu parmi vous. En toute vérité, comme il nous l'a enseigné, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas de ton sang, mais seulement une parole, je serai guéri. À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare : Je dispose pour vous du royaume, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume.
Bénissons le Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et achète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi. Après avoir célébré dans cette Eucharistie le triomphe de tes saints martyrs, Saint Denis et ses compagnons, nous te supplions, Seigneur, fais que nourris ici-bas de ce pain de vie, nous remportions la victoire et qu'ainsi nous puissions dans le ciel goûter à l'arbre de vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis qui êtes dans cette basilique, je souhaite une bonne journée, ainsi qu'à vous qui nous avez rejoints par le moyen de Catéo. Allez dans la paix du Christ. Oui.